Salut tout le monde, très très urgent et très très incroyable révélation. Aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023, mes chers amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il y a des graves révélations. Les rebelles de la CEMA viennent de fêter dans une vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo où les éléments des rebelles de la CEMA sont en train de danser la victoire des tueries des paisibles citoyens. Les deux attaques. La première attaque contre les citoyens civils dans un bateau où il y a eu des morts. La deuxième attaque contre le camp militaire, le plus grand camp militaire de l'armée malienne dans le nord du Mali. Mes chers amis, vraiment, il y a des graves révélations aujourd'hui. Donc, nous allons vous expliquer tout de suite. Après cela, nous félicitons aussi l'armée burkinabé d'avoir libéré Koumbri. Koumbri vient d'être libéré. Nous avons vu aussi un communiqué venant des autorités de la transition de Burkina Faso faisant état d'un complot d'élimination physique du président Ibrahim Traoré. Deux militaires ont été mis aux arrêts. Un complot d'assassinat contre le président patriote Ibrahim Traoré vient d'être déjoué. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les quatre présidents, le président malien, le président burkinabé, le président nigérien et le président guinéen. Que Dieu vous protège. Un plan de déstabilisation est en cours. Ce n'est pas encore fini. Et l'attaque contre le camp militaire malien au Mali, je vais vous faire une grave révélation. Avant d'aller loin, il y a eu aussi des restrictions. C'est-à-dire, des nouvelles mesures viennent d'être prises par le gouverneur de la ville de Gao. L'interdiction de porter des tenues militaires. L'interdiction de circuler avec des véhicules 4x4 dans les campements autour du camp militaire Firoun à Gao. Et les autres détails, on revient, après on va vous expliquer. Mes chers amis, voici les complots démasqués contre le Mali. Leur objectif est très simple. Puisque le Mali et le Burkina Faso sont prêts à aider le Niger, ils veulent créer le chaos au Mali et au Burkina Faso. Au moment où il y a les attaques contre les positions de l'armée malienne, la MINUSMA demande de pousser la date de leur départ. Le gouvernement malien a dit niet. La rétrocession du camp de Agueloc, de Anéfis, ont été repoussées à une date ultérieure. C'est-à-dire, au lieu que ça se passe la fin de ce mois, la MINUSMA dit qu'elle n'est pas prête à céder le camp de la MINUSMA de la ville de Anéfis et de la ville d'Agueloc. Donc, mes chers amis, il y a trop de complots contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais Inch'Allah, ces trois armées vont gagner contre les ennemis. Ils sont en train de créer des chaos partout. Et je vais vous faire une grave révélation. Les rebelles de la CEMA viennent de dire que ce sont eux qui ont abattu un avion militaire malien. Ça, c'est faux et archi faux. Là, l'armée malienne vient de faire un communiqué que je vais lire tout de suite. Ce ne sont pas les rebelles qui ont abattu l'armée malienne. Aujourd'hui, l'armée malienne a passé toute la journée à bombarder les positions des terroristes. Au retour, il y a eu une panne technique où les pilotes sont sortis sains et saufs. Ils sont descendus dans les parachutes et l'avion a été endommagé. C'est un avion de l'armée malienne qui a été endommagé. Quand les rebelles de la CEMA ont appris cela, ils ont commencé à crier victoire. Les rebelles ont menti pour dire que ce sont eux qui ont abattu un avion militaire malien. Ça, c'est faux et archi faux. Voilà ce que l'armée malienne a dit ici. Aujourd'hui, samedi 9 septembre 2023, vers 18h15, un incident aérien s'est produit au nord de Gao, impliquant un aéroglof de l'armée de l'air. Les détails suivront. Source force armée malienne. C'est-à-dire, il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup.
et l'armée était en train de bombarder les positions des terroristes. Il y avait une situation, c'est-à-dire que du temps. Donc, l'avion devait faire le demi-tour pour aller et atterrir à Gao, malheureusement, il y a eu une panne technique. Il y avait un problème météorologique. Donc, il pleuvait beaucoup. La même chose peut arriver à n'importe quelle armée. Même aux États-Unis, il y a des avions qui s'écrasent en plein vol. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Russie, ça se passe partout. Donc, c'est naturel. Donc, les appareils, vraiment, ça peut arriver à n'importe quel appareil. Donc, l'avion de Prigogine aussi a pris feu. Donc, toutes ces choses-là, ça peut arriver à n'importe quel pays. Donc, nous remercions aussi le chef d'état-major général des armées maliennes qui vient de rassurer la population. Et l'armée malienne a juré qu'elle ira jusqu'au bout. Donc, nous demandons au peuple malien, au peuple burkinabé et nigérien de rester unis, d'être vigilants, de soutenir nos autorités de la transition. Mes chers amis, je vais vous montrer les détails aujourd'hui. La première nouvelle aujourd'hui, voici les rebelles de la SEMA en train de fêter la victoire de la mort de nos frères et sœurs. Voici la preuve qui montre que ce sont les rebelles de la SEMA qui sont en train de tuer les paisibles citoyens. Mes chers amis, regardons cette image. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023, regardons cette image. Qui sont en train de danser. Ils ont attaqué les bateaux civils. Après, ils sont en train de danser comme ça. Ça se passe à Kidal comme ça. Hein. Regardons encore. Mes chers amis, voici la preuve. Moi, j'ai des radars. Dans leur groupe WhatsApp, le politologue Sekou Tongara, je suis infiltré dans leur groupe WhatsApp, mais ils ne le savent pas. Je viens d'avoir ça depuis ce matin, mais j'étais trop pris. Ils sont en train de fêter la victoire des deux attaques. Les rebelles ont confirmé dans un audio aussi qu'ils ont attaqué les deux attaques. Que ce sont eux qui sont à la base. Ils ont juré parce que une fois que l'armée malienne arrive à sécuriser Anéfis et Agelok, la prise de Kidal ça ne vaut même pas l'appel d'aller vers Kidal. Parce que ça veut dire que Kidal est déjà entouré. Pour empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal, attends, je bloque ces bonnes arrières-là. Pour empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal, voilà ce qu'ils viennent de faire. Les rebelles de la SEMA sont derrière toutes ces attaques. Et pire encore, je vais vous faire la deuxième révélation, mes chers amis. Les rebelles de la SEMA, aujourd'hui, quand l'armée malienne a bombardé les terroristes, les rebelles de la SEMA sont sortis revendiquer que l'armée malienne est en train de les déclarer la guerre. Au même moment, quand il y a eu, par exemple, la situation météorologique, c'est-à-dire que il pleuvait au moment où l'armée malienne était en train de bombarder. Il pleuvait beaucoup. Un avion militaire malien a eu une panne. Donc, malheureusement, les pilotes, malheureusement, l'avion a été endommagé. Mais les pilotes qui étaient dans l'avion sont sortis vivants. Les pilotes qui étaient dans l'avion sont sortis vivants. Donc, on peut dire bravo à l'armée malienne. Les rebelles de la SEMA, à travers Serge Daniel, sont en train de dire, de fêter la victoire. À chaque fois qu'il y a du mal, à chaque fois que le malheur arrive au Mali, Serge Daniel, France 24, sont tous contents, ils sont pressés d'annoncer.
Ils ne diront jamais que l'armée malienne a neutralisé des centaines de terroristes. Ils sont contents quand le malheur arrive aux paisibles citoyens. Mes chers amis, l'ennemi numéro un du Mali s'appelle la France. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. En complicité avec les rebelles de la CEMA. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Donc, nos amis, nos frères et sœurs du Burkina Faso, nos frères et sœurs du Niger, du Mali et du Burkina Faso, restons forts. C'est le moment le plus difficile. Vous savez, pour avoir sa liberté, ça demande beaucoup de courage. On ne peut pas avoir sa liberté étant assis. On souffre pour avoir sa liberté, pour avoir son indépendance. Nous sommes de cœur avec le général Tchami, le président du Niger. Nous sommes de cœur avec le président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Nous sommes de cœur avec le président Assimi Goïta, président du Mali. Et Mamadi Doumbia, président de la Guinée-Conakry. Mes chers amis, attention nos ceintures. La lutte n'est fait que commencer. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui vient de se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, nous remercions le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général, après la grande victoire de l'armée malienne contre les terroristes aujourd'hui, le chef d'état-major général de l'armée malienne est sorti rassurer la population malienne que le combat n'est fait que commencer. Écoutons le chef d'état-major général de l'armée malienne. Bon, moi, je vais demander aux Maliens de garder le calme, vraiment pas de panique, hein. C'est vrai. Voilà, voici la déclaration du chef d'état-major général de l'armée malienne. Bon, moi, je voudrais demander aux Maliens de garder le calme, vraiment pas de panique, hein. C'est vrai. Les femmes sont aujourd'hui plus déterminées à lutter contre les terroristes jusqu'au bout. Ça, c'est notre mission régalienne. Nous sommes des postes professionnels et rien ne nous arrêtera dans les missions qui nous ont été confiées par nos politiques et puis le peuple malien. Les attaques contre les populations, ça va être illustre de la cruauté de ces groupes armés terroristes qui n'épargnent ni enfants, voilà, ni femmes. Et nous avons l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous l'avons vécu hein, dans le passé et nous avons réussi. Je me rappelle encore, à l'instar du départ de quand Barkhane et Takuba partaient, c'était pratiquement le même environnement de fébrilité, là où on disait que Gao était tombé, voilà, Menaka était tombé, voilà. Donc, de toute façon, moi, je demande, nous restons confiants, et nous restons confiants, nous sommes des postes professionnels. La lutte contre le terrorisme est une guerre de longue haleine, et surtout par sa nature asymétrique. Donc, il y a des hauts et des bas, et je pense que pendant les différents moments, là, il est recommandé vraiment une communion de foi et puis d'esprit dans le cadre voilà, de la lutte contre ce terrorisme-là. Je voudrais aussi souligner que nous sommes là pour pacifier le pays et rien ne nous arrêtera. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est un environnement géopolitique, géostratégique et économique. Et il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont menacés aujourd'hui avec des connexions avérées de certains acteurs avec les groupes armés terroristes. On a vu aussi... Donc, mes chers amis, je m'excuse, il y avait un appel qui m'embêtait un peu là. Donc, mes chers amis, écoutons notre héros général. Dans le cadre voilà, de la lutte contre ce terrorisme. Je voudrais aussi souligner que nous sommes là pour pacifier le pays et rien ne nous arrêtera. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est un environnement géopolitique, géostratégique et économique. Et il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont menacés aujourd'hui. Avec des connexions avérées de certains acteurs avec les groupes armés terroristes. On a vu aussi, il y a la rétrocession des emprises, de l'aménagement, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Et le troisième point, là, ça, c'est l'instrumentalisation des questions inter et intracommunautaires dans la région du centre. Général Oumar Diarra, merci d'avoir répondu à notre question. Merci. Donc, vous avez vu maintenant, le chef d'état-major général des armées maliennes vient de vraiment. Il vient de rassurer la population malienne de ne pas s'inquiéter. L'armée malienne ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On dit merci, monsieur le général patriote, général Oumarou Diarra. Merci beaucoup. Mes chers amis, en dehors de cela, voilà ce qui s'est passé. Les attaques contre les positions de l'armée malienne ont été préparées à Kidal. Et j'aimerais que les Nigériens, ce côté concerne
un message fort envoyé au peuple du Niger, au peuple du Burkina Faso et au peuple du Mali. Les attaques terroristes contre le Niger, le Burkina Faso ont été planifiées depuis la ville de Kidal, en présence de l'armée française et la MINUSMA. Les terroristes ont été préparés à Kidal pour déstabiliser le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, l'armée malienne est sur le point de prendre la ville de Kidal. Voilà pourquoi ils sont en train de faire des attaques ciblées sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, mes chers amis, Maliens, Burkinabés, Nigériens, la prise de Kidal est la victoire des Nigériens, est la victoire des Burkinabés, des Maliens et tous les Africains. C'est-à-dire, le berceau du terrorisme se trouve à Kidal. Et aujourd'hui, au moment où l'armée malienne est attaquée, le plan est quoi? Le plan est de créer le chaos. Puisque l'armée malienne est en train d'écraser les terroristes comme les mousses, le plan de la France c'est quoi? C'est de créer le chaos pour encore retarder le départ de l'aménagement. L'aménagement, au moment où l'armée malienne est en train, au moment où l'armée malienne est attaquée, où le Mali est attaqué, et le Mali est attaqué, qu'est-ce qui se passe? L'aménagement demande le report des rétrocessions de leur camp à l'armée malienne. C'est-à-dire, l'aménagement devait quitter deux villes de Kidal, de la région de Kidal, Anéfis et Aguelok. L'aménagement vient de dire aux autorités maliennes qu'elle n'est pas prête à quitter ces villes d'abord. Nous demandons au président Assimi Goïta de faire tout pour que l'aménagement quitte le plus vite possible. L'aménagement retarde pour qu'il y ait des chaos, pour qu'on aille aux Nations Unies parler encore de la situation sécuritaire et faire retarder le départ de l'aménagement. Inch'Allah, le Mali va gagner ce combat. Mes chers amis, restons unis, Maliens, Burkinabés, Nigériens. La victoire de Kidal est la victoire des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens. Toutes ces attaques contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont été bien préparées depuis la ville de Kidal. Le berceau du terrorisme, c'est la ville de Kidal. Une fois que Kidal est pris, c'est fini. Une fois que Kidal est prise, la ville de Kidal est prise, la France quitte au Niger, la MINUSMA quitte au Mali, c'est la fin du terrorisme. Je vous dis ça aujourd'hui. Mes chers amis, un certain Amidou Traoré qui dit que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un vrai Traoré, un vaurien, soi-disant Amidou Traoré là. Il dit que la SEMA, ce n'est pas des terroristes. Donc, mes chers amis, voilà un peu la réalité. Donc, prions ensemble. La dernière phase de cette vidéo en version française. Et un complot d'assassinat était préparé. Il y a deux nouvelles au Burkina Faso. La première nouvelle est une bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. La ville de Koumbri vient d'être libérée par les forces armées burkinabées. Vraiment, nous saluons le courage et la détermination des braves peuples burkinabés. Franchement, nous sommes très contents aujourd'hui. La ville de Koumbri vient d'être libérée par les forces armées du Burkina Faso. Bravo les gars. Le drapeau Koumbri, le drapeau du Burkina Faso flotte à Koumbri. Bravo. Merci au VDP, merci au FDS et merci à tous les peuples dignes du Burkina Faso pour cette victoire écrasante contre les ennemis du Burkina Faso. Après cela, nous allons partir avec la deuxième phase. Un complot d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré à travers un communiqué venant de la magistrature, et je m'excuse, des nouvelles autorités du Burkina Faso. Mes chers amis, des anciens militaires et certains militaires étaient en train de préparer un complot d'assassinat contre le président patriote Ibrahim Traoré. Le plan était quoi? Ils veulent éliminer le président malien, le président burkinabé et le président nigérien. Nous demandons au peuple du Burkina Faso de renforcer la sécurité du président Ibrahim Traoré.
Le peuple nigérien de renforcer la sécurité du président général Tchami. Le peuple malien de renforcer la sécurité du président Assimi Goïta. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Je vais vous lire le communiqué. Courant fin août 2023, il était dénoncé au parquet militaire des faits selon lesquels les militaires et anciens militaires, certains militaires en intelligence procédaient à l'identification des points sensibles et des domiciles, dont celui du président de transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la transition burkinabé. Faisant suite à une dénonciation, le parquet militaire instruisait la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou à l'effet d'ouvrir une enquête circonciée et d'interpeller les présumés auteurs et complices. À ce jour, 3 militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention provisoire pour les faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association des malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit en l'occurrence d'adjoint Kabore Wilmilingue, le sergent-chef Rambé Brice Ismaël et ex-caporal Dassami qui ont reconnu sans embagage des faits. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Donc, les investigations se poursuivent en vue d'arrêter toutes les implications éventuelles, d'en tirer toutes les conséquences de droit. Le parquet militaire invite toute personne disposant d'éléments susceptibles de faire évoluer cette enquête de bien vouloir le saisir directement à cet effet ou le mettre à la disposition de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Mes chers amis, voici le complot qui s'est préparé contre le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu des arrestations. 3 militaires ont été arrêtés. Vraiment, ce combat n'a même pas commencé. Nous sommes de cœur avec le peuple digne du Burkina Faso. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le président Ibrahim Traoré contre les ennemis du mal. Mes chers amis, nous allons partir avec la version Bambara. Tout de suite, mes chers amis, nous allons partir avec la section Bambara. Malien, très très urgent. Malien, très très urgent et très très grave. Ah, Malien, en voilà information de notre robe, Kabako B et révélation Bao de B, dimanche 10 septembre 2023. Malien, on a une information flou, il faut que l'on ait bi. Oye ka fo au nyena ko ame oro mina ko bi. Mali surasu ouwe ouli ka jola awa ouye dadiki ke mo mo jougou bade de faka kounou ni bi. Mega kuma au fe oro mina. Mali avion, Mali hélicoptère, Mali avion de chassis, Mali drone, a bebe la maga de la sangolo sans faire la gaona mara ani gourma araous. Ou bien ta terrousse ou bounte, ou bien ou bounte. Anyon information sur 600, ko armée be barala. Anyon information flanando sur Malion. Erebeli sema mou be dona. Kidal, aviro flamena aviro ira malien beka partage bi. Erebeli sema mou ko kolou de ataki keka. Anga bateau. Anga bateau min tira. Fou mou kemenin kon sara konon. Erebeli sema mou ko kolou de ake. Awa aviro flan ou irebe dona. Met la ka aviro ira aula malien bela jelen be video in partage. Malion. Ote mani kofi kabala, ambora mune kalama. Nouvelle sabana mbe bi malion. Ko ambe oro mina bi. Mali avion do de bora ka binduguma. Mali avion do de bina parce que samba de nana gawo. Mali avion de tara bombardement ke ka terrorisme ou faga. Avion seginto. Anga avion de bora ka binduguma. Mais pilote mounou kuma avion konon ko foy mousura. Nyo information mousura pour le moment. Ko foy ma pilote mousura. Pilotou nyuman sera so, foy mousro. Erebeli seba mouro, ani Serge Daniel debe katan galon tige. Ko erebelu,
ko oluye anga avion bonko ko binduma tiete kuma ina mali avion bina baba ko kono eske erebeli ola bia avion te bi amerikia avion te bi irisila avion te bi francia donc pan mbese ka avion soro a tout moment irisuka avion ma bia prikosiri masa ola o make irisuka capital la mali avion pan ne mali avion soro meski kuma ina Erebelu beka galon le tigè ouye information de mè ko mali avion do pani ansoro. Erebelu bolla kata fo chenouna ko lude anga avion bombarde ko kola bidguma. Tienta la. Anga pilotou nyuman bora. Nye moumbe pour le moment. Mali avion do a pani ansoro. Ouye tienre lo armè rea bla pasi sa fe. Men Erebelu ma kede. Erebelu beka togo dou yere de ma. Oulu ma kede. Oube feka ouga mogo la encourage de. Mali on met la carte au détail quoi. Anya information sabana misro. Ko gao gouverneur ko mobile vitre fumé. Ani ka tele militaire do. Ani mobile ça dit que ka mobile do ta ko plaqui te mobile mununa ki yala naye. Ko ya interdit. Ame gao gouverneur fo a des semaines mais met la carte bec la a plaqui fefebe na fenete. Ko ta ka chité circuler gao kono. Ame gao gouverneur fo. Malion Ote menen kofi kabala. Anye information dosro. Ko le chef d'état-major général des armées. Anga surasuka. Nyamoko ba chef d'état-major. Abora aye malion akliski kumafo. Mali surasuko. Ko kafo malien bengena. Ko malien beki daka sinoko. Ko anolube sade. Ko mali te kla. Ka anolube sade. Ko mali te kla. Kawa ko mali dugu. Kele katoto moko shibolo malion. Erebel sema moko debeka on atake bi. Meka chine defo ongena. Amo kuma kele fanana minisma kunganga aga kamunu di malima minisma be ka foko ko e retardo do nola ayay ataki be ka ke donc plan yemu yesa ka iski jo kala je naka soro mali armée bi se ka ateni minisma fana be ka foko oluk nganga agelok kani ane fisika no e kilali kerefela yi koko reporter koko bla kaloverla ok nganga di ni kalola minisma koko no koko bla kaloverla asimi akara sonde Anya me chef d'état major ya fo me a kumanga son quoi wallahi ay ministre gentati fe fera fo ikana faraka ministre kenya fo asimi mais amba ko de toutes les façons o temene ko fe ka bala malion anya information do fana soro malion ko burkina dou do be na ko kumbiri ku ya libéré ambe burkina soro sou fo ou ye baragnman ke oula malion anya information sabana e durnam fana soro ko plan de kumbe ka président ka Ibrahim Traoré no ye Burkina président ye ukun keleme ka plan de la ben ko fa mo munu kuna ka pele c'est à dire que Ibrahim Traoré be yala yoro ka atama ro a ka yoro jati mine ka mo do blatoro ka marfa chala ukun keleme ko plan be la ben alhamdoulillah Burkina service de renseignement Mali service de renseignement irisuye Ibrahim Traoré wole ki kolosire ku be fe ki fa ay irisu ka service de renseignement for lendu Oui, Ibrahim Traoré là, vraiment, on dit bravo au peuple du Burkina Faso. Mali a mettre la cadeau au détail là. C'est ça. Amena de nouvelles flamina. Malien, amena de nouvelles où il y a des fois, non. Amena de détails là, il y a un gros titre où il y a une nouvelle de détails. Malien, on est avec Akma Aoufé Oromina. Mali armée de bombardement là. Mali avion, Mali drone, Mali hélicoptère, abebe bombardement là. Mali armée kale kale do ko Mali civil kele teto moko kele bulu. Mo munu sara ala ka hinuna ala ku daronya. Wallahi armée be barala. Angana to angana armée nabla. Billahi ube ka moné bon maliona. Malion anyo information soro ka fo ko Mali armée moules mo lesbene be no. Bi dimanche 10 septembre 2023, les forces armées maliennes viennent de lancer des opérations aéroterrestres. Beaucoup de terroristes viennent d'être neutralisés et beaucoup de matériel est récupéré. Ah, Malion, sera terroriste baden de Fakarabi, armée malienne Boulobi. Malion, Anison Djalemba de Borako, Fouangana, Anafoko, Tare, une nouvelle Doumali. Malion, Otomene Kofi Kabala, Amena nouvelle Flanam Fana Fouangana Bi. Malion, Okun Kelemeka Terrosu, Okun Kelemeka Moto, Kemen Flanin Kode, qui prépare Koumena Mali attaqué. Mouroya a faible. Comme plus de 200 motos, 19 véhicules lourdement armés, à quelques kilomètres à l'est de Raouz, un témoin affirme qu'une autre colonne de plusieurs motos et deux véhicules visibles
visibles armés de gros calibre ont passé de Bourem à Inali, dans les Haoussa, à 20 km de Harmido. Prière, information urgente. Donc, Maliens, aux informations sur les Kafoko, nous ne faisons qu'attaquer les quais. Mali armé ou l'ila. Gourma Araous. Mali, ça dit que Mali nord du groupe FVP ou bien bombardement car Belabi. Mais de Balbanko, qui raconte du même Maliens. Et les belles sémans, on va communiquer que comme Mali armé, ben ou l'île bombardé. Donc, ou l'île terroriste ou y est. Et pire encore, Mali armé baraque des Maliens. Maintenant, les révélations flanames que Vilo est parti flanames que Maliens, il faut qu'on le partage. Maliens, et les belles sémans, on va dire français, mais manipulation de la même Maliens, Belaba Kalamade. Mali sera sous ou terra kata terroussou de bombarder. Anga avion de bébé paniasro. Anga avion de bébé paniasro. Donc, anga pilote ou koujira, anga information misro. Et le bel seba moro de bébé qui tiala. Koulouya anga avion bombarder. Mali ou tiente kouma inade. Armée re communiqué mika. Anga armée. Mali armée communiqué kama metro. Et le bel seba moro boula kata seme media oula. Koulouya anga avion bombarder tiente kouma inade. Ser Daniel Fanayabla. Ser Daniel Diabla. Fasso de djou. Maliens aïe de Mali armée moussebe bi. Maliens bi, dimanche 10 septembre 2023. Kounou souro yani minuit ou ratitier. Ou yon moussebe. Quand ce jour 9 septembre 2023, vers 18h15, un incident aérien s'est produit au nord de Gao, impliquant un aéronef de l'armée de l'air malienne. Les détails suivront. Sans pas de Koumbekana, ni sans Bena, conditions météorologiques bas tout morla. Appareil Tchamambe non, ou bien déconnecté en même temps, pan technique bena. Anga avion, a koumbe bara de la santé, a koumbe bombardement de la, a tlale missionnaire, kabe seginga na basi kono gaou, incident da so. Sinon, kafoko erebelu da a bon tiente ou koukouma la, c'est faux. Mali avion, hélicoptère de ma bi, bamako kono. Bamako quartier de beko misabuko, anga avion de ma ta biya. Est-ce que ou terrorisme ou noy? Koma akera gaou, Manga be gawo erebelu bolla kata fo France 24 ni yoro la ko le victoire soro imaye non seulement un mission jale mais en avion binna en même temps ou tra tukuni kata ka fetike ko de attaque fefe kana ko da beke c'est à dire que ko djou fefe ka mari soro bi erebelu ka communiquer flené mena erebelu ka communiquer kala erebelu mu ne fo ora ayala ja erebelu mu fo ora erebelu ko après une riposte vigoureuse de sa DCAC. L'armée nationale azawadienne affirme avoir abattu ce jour 9 septembre 2023 à Tinakour un avion des terroristes des forces armées Wagner suite à des bombardements sur ses positions. Ko olu erevelisema mo ko anga avion tara ko luka position de bombarder ko lu fanay anga avion kelna djiki duguma ko lieu victoire de olubulu. On mo bodé o metekere fo fana kanga bato kula ko malien de sara. Tamasegu Bula, Koroboro Bula, Flau Bula, Erebel Sema, Adara Keneka Biko, Erebel Sema ni Aundebe Kerala. Et puis, pire encore, Ser Daniel ya sebe akayorola. Ser Daniel ko, konye akordalje ko banenye. Ser Daniel ko, kawa konye kelade damne le. Ko ki va gagne, ko jombe la gagne. Malion, dimi dore donne me moko dola, ntena moko toko foke. Malion, ou yana kan atake choko jume. Atake nana choko jume. Et rebelles, c'est ma moro pour avoir kidal de cana, anga bateau attaqué. T'es temps où c'est ma moro de ou pour la kidali. Ou ma passe à nefis fédé. Ou pour la kidal ou passera bourrem de fait. Cadeau n'a yon nana cadeau et tchentien orana qui do cana attaqué nous nous parce que vous êtes tchentien do. Ou ma passe à nefis parce que Mali armée de coup belle à nefis. Ou ma passe à orade ou passera ni bourrem de. Parce que Europe frappe ta kidal. Donc, ou passer la aura de fait. Ou m'en si armée madé. Ou nanou n'y si en la population civile de ma kofra. Lâche des criminels. Ou fleka ni baradjougoun de ke malion. Ou mou batougoun de. Ou tera kata kata tigere ba fra. Pour mettre la kofra vidéo ira aoula. Malion. En a toi en armée ko. Wallahi armée beka sego ke anye bilay talahi. Malion. Ataki flana munkera. Mali ka militaire la. Meno sekere fo anye nabi. Malion. Mali kan militaire attaquera tout le monde. Yaro, maintenant, c'est que le fort en a bi, dimanche 10 septembre 2023, aya se bakada.
Ka ibeka to fangala ani erebelu jela ka faranyoko ka ko armée reconstituée. Ali chine a erebel do banga armée la. Anga armée be mouvement fe feke ou ya be feri. A do ere marfa blaka taka fra erebelu kambi en contrôle la. Alors que on est mali armée de peuple menyoko ka. Donc Jafa bora de poro la. Mounou fela taranga ka attaque anga armée ka attaque. Ou ya mali strasi tenu de ka finindu. Ou ya mali strasu ka tenu de do. Je m'excuse. Oui, Mali Strasso a tenu de dos. Mali Strasso a pour immobilier, il y a une tactique comme pour le canicho. On a eu un coup de dala. Quand l'attaque est préparée, il y a un coup de dala. 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 Non, ne te chia kokola de. Mais wallahi, erebelu, moi, je refoule. Moi, je vais chia de. Erebelu, la chia de bala. Donc, erebelu, mon mana. Aou, koroshi de. Asimi, erebelu, mon mana. Ayou kolosidé ne se goutou ramada oula o lebeka ataki chama mekela e wé baton ataké choko djumé ala kambe bamba ko bamba ou ba don nou ko koube baton ataké ala kambe ala srosou be bouger ka bo kana bamba kana mo sauver ja ou ya ataki fla de préparé ataki fola fola ou be faire baton il est détruit ou ya bara daminé srosou bouger atro ou tara ka to kan fola kama srosou baden bolé kangono Bamba utara bamba fana kanfana attaque tuguni. C'est-à-dire plein du men des sanno. Erebelu ka plein du men des sanno, men o sekere fo onyana. Erebelu ka plante d'oreiller ka attaque wuli fambe pour que Mali armée kana se ka anefisro. Mali armée kana se ka agelokro. Ni Mali sro sou dona anefis ane agelok ko dugu flamine o ya kidal de entourele hali ko mama ke ble o ya kidal kele Mali tayi. Orato o wati kele mesri ko ka Maliou. Maintenant, c'est qu'il faut en Malien, attaquez le bébé Mali contre la vie. Malien, maintenant, c'est qu'il pas de Fana Bichina. Attaquez le bébé Kaké Mali contre la vie. Maintenant, Fana B. À ce qu'il faut en B. Dimanche 10 septembre 2023. À Koundé, Mali armé Kangata, qui a dit qu'il a fait du flabé, Anéfis, Ané Aglok. Ou t'es fait Mali sur la sous-cosro. Mais, vous avez dit attaquez le bébé On va dire que le ministre Banembe Koro dit à moi qu'on empêchement doit aller sur. Aya et Jafa be kada chou amina. Deuxième mois, ni Mali sur sous dans la agelok kado, anefis kok, o beku tae bi. Malion, oye kidal encercle le nissan. Ola al combatte ke, et rebelou rebe kidali bla, a beninga djana tekeche. Non seulement ministre be ka konan djoua kana, ministre be ka ko la retarde, ministre kounanga kaindi Mali manin kalo de la, ministre ko konon ko fokalo kura. Koloka minan ka chade a donta de et puis ko ikera boss sur cette idée mana yela ko fo onyana mara ma fa mbu bro no ko kuba di erebeluma mali aradaru buyi mara ma fa mbu bro taru ba ke choko misa mali be ku suit de près hanu la mara mali be ba kalama satellite be kolosulu be kake donc mune be ke sisa u be kun sale la nyigi nyagala parce que nations unies ko domina Comme ministre de Mali Bla, ou il clara que c'est un Comme ministre de Mali Bla, comme Mali situation galère, comme ministre de Mali Kono. Ora toya ici, comme ministre de Mali Kono, comme ministre de Mali Kono, comme ministre de Mali Asimi Kono, comme ministre de Mali Kono. Donc, plan de Kake, ka attaque Chaya, ka Malion tire en armée Rela, Mali Denjou, plan de Kake Mali contrôle, et le Malou Kelentede, Ali Mali Denjou do Erebala. Merci qui m'a dit. J'envoie mes Mali contrôle. Erebelu dronte de wallahi mali den djugu do bala a beninga jerante kete mali den do ere bala muno me ka fara djugu ka sisa ni ataku chara sisa fanga ni na do be politicien do be ta do moko ka ay bo ka manifeste do ni manifestation chara sa dro asimi ben de bo moko la moko be ngina kilaliko sa do be fe ka mali on yere ma de foot ne nyokon kro ka mali on a bo ka ula enerve ku tike ka armée la Yora beka nyagami, anga nina kidaliko. Ode plani, ode plan de ka tarase ou boulou, mais a te marse, ça ne passera jamais. Malion, ode plan bi. Ka ataku chaya, wala sa anga nina kidaliko. Voilà leur plan. Mais ça ne passera pas. Malion beki daka sinoko, andale manga armé la. Donc, ode plan beye, asimi nounko, mali chef d'état major yore bora, aye asransi di mouroma, malion aye anga chef d'état major koumakaname. Amen Mali chef d'état-major des armées Ambafou Malion Mali chef d'état-major Bora akoko Malien Bekida Kashinoro
ko wallahi kal anale olube sadi ko no strosu be sadi ko wallahi ko mali toto ajugu bulu malion anga janga chef d'état major ka message la dia ayne segu tumara nyaji de bo anga la main. Bon, moi, je voudrais demander aux Maliens de garder le calme, vraiment pas de panique, hein. C'est vrai. Les FAMA sont aujourd'hui plus déterminés à lutter contre le terrorisme jusqu'au bout. Ça, c'est notre mission régalienne. Nous sommes des professionnels et rien ne nous arrêtera dans les missions qui nous ont été confiées par nos politiques et puis le peuple malien. Les attaques contre les populations, ça va être Ulysse de la cruauté de ces gros amis terroristes qui n'épargnent ni enfants. Donc, ko malion kana joro ko lo strasu ko jolebu senga wallahi ko malin te kla awa ko be mali libere fana mali anga to na strasu ko watiga gele mbado watiga gele mbado ataku kera mbado mo ko sara adigra na yerela sayan digra na yerela me anga mun soni ndoro ni bebe ban ko ne jeme godo batolai ni jeme faratola te awa barabla to do malion anga mburu ni nyoma ali bi anga munyu anga nyo yere kela udabla anga to anga autorité de transition mo ko wallahi bara batola de fleta malion o te meneko fe kabala ambo bela jelena malion erebeli sema mogo u bolo menela mpalan kono ay ni video la je aka partager dien be ka so erebelu be ka fetike ko luye mali batochi ko malion sara ko u era da de ka fore ko ataki fe kara ko lu erebelu da ke awa u fle don de la u fle erebelu fle don de la ko lu yanga so su fra kolu yanga kan fana kolu yanga kan koko attaqué kolé bato fana attaqué aya vidéo la djé bi dimanche 10 septembre 2023 aw na nga na djé ñoko fé dona kidalta ou nison jale kan faou fagara kan baou fagara kana baton tira malon e sa ko erebelu de terrorisire nouye dona de nison jale de ou be dona ou ga groupe whatsapp netaran de ta ou ga groupe whatsapp kono donc aye na jessa Malion abela jilene wati mina ambe shukashi la erebelu be dona ko anga moko fagara ka amba u fagara am fa u fagara malion a rea yi sande nunu te ala do tak erebeli sema nyoko kafri de flabada jien kono awo ben bela u ka demaya kelente kidal u ye kidal be vide u be provocation na sandro anga ta kidal bombarde u ka ta shuira kimai ko mali arbe be ka ta shufa mali arbe te ta moko shifa kidal ou t'es à mon chiffre qui d'aller libérer qu'à son âme qui s'est maté mais à la son âme inchallah et malion abe abe ni ça de wati mina ambe kashila wati na ambe deila et le balou de flèche d'ona et le balou de flèche d'ona comme malion sara et le balou de flèche d'ona wallahi à la akana soni et le balou ali kele bana ali chini akana soni et le balou n'a do anga armé la blé on libe kanga armé traibi a et le balou ma vonga bede a et le balou tchama ne banga armé kono Uyangar depuis coup d'état maquet depuis IBK B ou ben donc à bo ou ben que armée la bichine ou va qu'on a coup tala ou ben bo kata armée ka secret fri terrorisme parce que dès que les mecs drogue ou ferroni manamana coude là ni ben armée qu'on a discipline bi ces gens sont des disciplinés aye n'a jamais refait des wati mina ame kashila wati na ame kashila kam fanam bau fara et rebelle ou de flèche dona qui dalle ou ni son djali comme malion sara Donc malion ka fo onyana ni kuno o roi malion be kan teke di nyoma mali chef d'état major bora ay kuma be fo jamfan be mali kontrola abela jeli ay mo mo nu fara be bom mana mana kan fo la dongo do a donta bota ay jombo o roni kada ma vokal di de bi vokal be so ka jade donc malion ayo koloshi mo ula
mwa mounou mbe bo ka koule, ka ese kouba nga arme la gouchi. Ameriki atakira, mwa ni fi ma wa doure sara don kele. Ima Ameriki, Ameriken don bole ka foko perizante sera. Charlie Hebdo, katako frafo pari tchamanche la. Mwa iere ka sokona na, ni djougou bore ka sokona, ou maitrize ka gele. Mwa mounou mbe ka atake ou be mali konodi. Ati, ou te kou yere irana ou, ou bou nyanga be anadi. Nous avons fait ça, 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 donc au Europe Malien on te met encore faire bala agne information d'osro Malien ambe Burkina Faso ko ka dugu de ko kumbiri ko o libéré là amba foko bravo au peuple du Burkina Faso Malien on te met encore faire bala Malien ko plan de kumbe ko ka présent et ou kun keleme ka et plan de la paix ko ka présent Ibrahim Traoré ko ko fera ayé nous mala mede Malien. Parce que d'un jour d'eau de boule à complot tracé coupé coup de taquet Burkina président là à Moro Beminena. Moro Saba, Sorasi Saba, ou de me faire un coup de taquet Ibrahim Traoré là. Ou y a Bemine, ou Bemine le Mboubou Malion. N'tena, t'as un uniforme calagno cala version française là déjà. Ame Dodo, Malion de Foyana, président Assimi, président Ibrahim Traoré, ani président général Tiami, à la Barca Dola, ani Mamadi Doumbia, à la Kanafoui Kaoula. Au début qu'Afrique a fierté Kébi. Donc plan de Koumbé, ou qu'a plan de Dorayé, assassinat ciblé, qu'a président Ibrahim Traoré ka nyine Kouba Bobara là, mais Alama Nidouma, Ala kana fenke Burkina président la Yarabiyama, Ala kana fenke président Assimi la Yarabiyama, Ala kana fenke président Mamadi Doumbia la Yarabiyama, Ala kana fenke président Tchamina Yarabiyama, Malien ou Abeko Douamina, Ala kana foike nounou Chila, Anya me fana ko Burkina dougou de Beko, et Koumbri ko libéré fana, on va dire bravo aux forces armées Burkinabé. Malion hali bien ngante kedi nyoroma bara ma hal damne de kelay ma hal damne folo wara chamambe sira chamambe ka traverser donc ali bien ngante kedi nyoroma angana décourager malion niaye nie dunun goro batolay ni jembe farato te bara blato do burkina beu malion nigerien ambe kante kedi nyoroma anga to anga fanga ko ebe mbe kuma kene fo malion ngena anga sorasi munu me fanga labi sorasi munu me fanga labi malion bara kala dunde sorasi fe flen de fanga la mali Burkina Faso, Niger, a bel homme de terrain. Ibrahim Traoré Koumbé, guerre là, sur le terrain. A boire front de la Kanafangata. Assimi Goïta, les cinq colonels, ou bien Koumbé front de là. Oye Kelenge. Samana Fana, général Tiami. Général Tiami, Koumbé front de là. Ou y'a attaqué garde présidentielle. Donc Malien, a nous de fois Bela Djelengena. A la Kakilima dans Bela Djelima. Donc ambe bo vidéo la horo la ambe do ke alaka herake Mali alaka herake e amanga shirifu kefu nyaro karamo ko mode shirifu Cheikh Tiami Aïdara shirifu kem nga fura kain vraiment abe bana sugu be ban donc malien shirifu ke ka numero 78780303 nyaro karamo ko mode nyaro karamo ke wal judi aka nay do do abe do mne shirifu ke be do do awabe fura fna bo awa shirifu ke ka numero 78780303 aw kambe ciao ciao.